Oh, mais c'est effrayant. Vous regardez ça à quelle heure? Moi, je regarde ça à 3h du matin, je peux vous dire que je suis terrifié, hein. Oh, j'en peux plus, j'en peux plus. Nous sommes actuellement le dimanche 20 mars, il est 3h07 du matin. Je m'apprête à regarder l'une des vidéos les plus flippantes de TikTok. Est-ce que vraiment vous aurez le courage d'aller jusqu'au bout de cette vidéo avec moi, en ma compagnie? Je l'espère vraiment. Sans plus tarder, commençons cette vidéo extrêmement effrayante. On commence tout de suite avec un plongeur qui va vers le fond des océans. Vraiment, ce genre de vidéo me terrifie. Déjà, lorsque je suis dans l'océan et que je ne vois pas ce qu'il y a en dessous de moi, je flippe total. Alors là... Oh mon dieu... Oh mon dieu, c'est sorti des abysses cette immense main. On va faire une petite pause sur ce plan de voiture qui est très effrayant. Que va-t-il se passer? Si vous ne voulez pas que la prochaine fois que vous allez à la mer, une main géante vous attrape lorsque vous vous baignez, eh bien abonne-toi et active la cloche de notification sur ma chaîne YouTube. Évidemment, tu peux aussi mettre un gros pouce bleu. Wow, 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 wow. Ok, ça commence direct. Oh. Ah mais attends, mais ça commence tellement direct, je suis vraiment pas prêt. Non. Il va revenir. Oh my god. Oh, c'était tellement flippant. Pour ceux qui ont reconnu le monstre de la vidéo précédente, dites-le moi en commentaire et dans quelques secondes, je vous dirai la réponse. Tiens, aussi c'est terrible. Ma phobie, vraiment ma phobie. Il m'arrive ça réellement, les abonnés, je suis en flip total. Du coup, le monstre précédent... Alors là, on a affaire à Cartoon Cat, mais le monstre précédent, c'était Nurpo. Voilà, j'espère que vous avez donné la bonne réponse en commentaire. Je mettrai un gros like à tous ceux qui l'ont trouvé. Let's go. Ok. SCP-096. Sans doute le SCP le plus terrifiant. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le SCP le plus terrifiant pour vous. Ok, il a complètement disparu. C'est tellement effrayant. Il était au plafond. Alors là, vraiment, imaginez, ça m'arrive vraiment, mais je pète un câble. Ça m'arrive littéralement, je pète un câble. Genre vraiment, c'est horrible. On a des requins. Est-ce que je vais réussir à terminer cette vidéo même? Genre vraiment, c'est trop effrayant. Genre vraiment, je me tape des vrais coups de flip, c'est horrible. Ok, ça va en vrai. Alors là, nous avons une voiture dans un champ à moitié. Et on entend Sirenhead. C'est Sirenhead, évidemment. Ok, là, mon gars, t'es mort. En vrai, t'es mort. Même là, normalement, il devrait être mort. Puisque je le rappelle, c'est... Oh, c'est si violent pour moi, j'étais pas prêt. Normalement, déjà, il est mort rien qu'avec les sirènes, parce que je lui démonte les tympans, en fait. C'est vraiment ça. Oh, mais est-ce qu'on peut tomber sur un Mickey plus terrifiant que ça, en fait? Littéralement, non. Ok, où est-ce qu'on est? Bendy, c'est Bendy. C'est Bendy. Il est terrifiant. Ok, terrifiant, c'est quoi qu'il y a dans le ciel, en fait, de sa... Il regarde par la fenêtre, il y a plein... C'est des sortes d'aliens. Oh, je sens que ça va pas me plaire, ça. Waouh. Waouh, waouh, waouh. D'ailleurs, ceux qui tiennent jusqu'au bout de cette vidéo, vous mettrez un petit commentaire. Et si vous n'avez pas réussi, vous mettez un petit commentaire lorsque vous nous avez laissé. Ok? Bon. Waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer, les abonnés? Ok, on est sur Five Nights at Freddy's. On les connaît bien, c'était Freddy, hein. Et là, c'était Bunny. Ok. Il y a SCP qui est en train de monter les escaliers. C'est quoi? Oh, je l'ai vu! Il était dans l'angle à gauche. Il est où? Oh my god! Oh là 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 là! Attendez, 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 attendez! Oh, vraiment, je suis encore trop mal de la vidéo précédente. Et vous savez quoi? Je vais aller faire un truc vite fait. Est-ce que je vous laisse tout seul avec cette vidéo? Non, quand même pas. Petite ellipse, 2 secondes. Les abonnés, vous m'en voudrez pas, mais j'ai pris des chocobons. Pour passer le temps. Mais quelle est cette horreur? Et vraiment, il y a des vidéos, les gars, c'est pas bon pour mon cœur. Vraiment, ça me fait trop flipper. C'est une dinguerie. Ok, ça, franchement, ça va. Ça, ça va. Est-ce que vraiment je vais réussir à aller au bout de cette vidéo? Elle est très longue, hein. Vraiment, si j'arrive à aller jusqu'au bout, je suis refait parce que c'est tellement flippant. C'est Thomas le train, 100%. À moins que ce soit... C'est Thomas le train, vous pensez? Ou c'est un... juste un sourire comme ça dans... Qu'est-ce que c'est que ça, les abonnés? Oh, mais c'est effrayant. Vous regardez ça à quelle heure? Moi, je regarde ça à 3h du matin, je peux vous dire que je suis terrifié, hein. Oh, j'en peux plus, j'en peux plus.
Oh, what the f... What the hell? C'est quoi ça? Ça me terrifie. Eh, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos comme ça. Voilà, pour les courageux de ma chaîne, voilà, vous mettez un gros pouce bleu, vous me dites en commentaire. Je suis courageux, j'ai envie de plus de vidéos comme ça. Let's go. Qu'est-ce qui se passe derrière cette porte? On voit pas trop. Oh mon dieu, je trouve que ça va être terrifiant. Quoi? What? Mais c'est quoi ce délire? What the... Oh non, mais c'est horrible! Vraiment, c'est horrible! Ah, j'en peux plus, j'en peux plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon dieu, mais c'est horrible! Ok, ça allait. Ok, on a une attaque de zombies. Ok, un zombie beaucoup plus grand. Un zombie beaucoup beaucoup plus grand. Ah mais cette main elle me terrifie, c'est horrible. Cette main littéralement elle me terrifie. Elle a un œil dessus, mais c'est quoi ce délire? Un petit chocobon pour la route quand même. Si vous avez un truc à grignoter, faites en même temps que moi. Cette chose a l'air vraiment dégueu hein. Oh oh, ils sont stylés par contre, ils sont vraiment stylés hein. Ils sont vraiment stylés mais terrifiants. Terrifiants mais genre vraiment. Donc on est toujours sur le même monstre chelou. Genre ça c'est la... C'est terrifiant les abonnés, c'est terrifiant. Alors vraiment, ça je vous le dis, réellement, hein. Genre ça en fait c'est la planète Terre, après les bombes nucléaires genre, il y aura des monstres comme ça, avec le nucléaire. Ouah mais c'est quoi cette daronne là, elle est tellement flippante. Oh là là, mon dieu, c'est horrible. Je kiffe mais en même temps c'est flippant hein. Oh là 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 là, bon, ça en vrai, ça va. C'était des petits, je sais pas, des lapins avec des yeux rouges, c'était un peu chelou, mais ça va en vrai, de vrai. Bon, je vous jure, j'ai une bestiole sur mon panneau LED, ça me rassure pas du tout. J'ai vu qu'on fait que de voir des bestioles chelous, là. Waouh, ok, on est dans un parc d'enfants, ça c'est terrifiant, ça je déteste les... Mais on est toujours avec la même daronne de tout à l'heure en fait. Alors elle est horrible. Elle est horrible. Si on a qui quitte la vidéo là dessus je comprendrais. Mais essayez de rester avec moi, soyez courageux. Mais c'était vraiment horrible ça hein. On est toujours sur le monstre chelou. Bon on commence à être habitué. Il y a l'autre qui nous course toutes les 2 minutes. Ok, ah ouais mais en fait c'est... il revient régulièrement. Regardez, il est devant notre baraque là. Eh frérot tu me fais pas peur. T'es juste un mec à... Là tu faisais peur un peu. Éteins ta lumière mon ref. Éteins ta lumière. Éteins ta lumière. Allume ta lumière en fait. Je suis en train de dire n'importe quoi. Allume ta lumière À moi qui veux pas qu'il sache. Oh mon ref en fait il voulait que je sois terrifiant. Oh mon ref en fait il voulait que je sois terrifié, c'est pour ça. Ok il se barre. Non mais qu'est-ce que c'est que ce monstre en fait? Ça n'a pas de sens. Wow. Les bruits sont vraiment réalistes. Ouais mais qu'est-ce qu'il a fait pour récupérer? Qu'est-ce que... Quoi les deux sont potes là? Vous foutez de moi? Les deux littéralement ils sont potes là, daronne et le truc là. C'est leur cause. Ah ça me dégoûte. Mais c'est quoi ce... Il est tellement énorme. À la limite c'est le truc qui est au fond des abysses, vous savez au départ. Avec la grande main. Waouh, mes frères, c'est l'ogre qui va te manger ça si tu t'abonnes pas à la chaîne. Voilà.
Cet ogre-là, il va te graille si tu t'abonnes pas à la chaîne YouTube. Maintenant, abonne-toi et active la cloche de notification. Ok. Il y a une alarme. Il y a ce monstre très bizarre. Nous, on est cachés. À mon avis, l'alarme, elle est pour toi, mon ref. Elle est pour ce monstre-là. Ils l'ont repéré et ils veulent pas le voir. Ok, on est en pleine mer. Ça, c'est vraiment ma phobie. Ok. On est sous l'eau. Il nous a repéré. Maison en déménagement. Bon, ça va, les petits dobis. Les petits dobis, ça... What? Non, mais là, je... Eh, là, non, c'est fini, là. C'est fini, ça me fait pas peur, ça. Non, mais... Qu'est-ce que c'est que ça, c'est... Ah, ok, ok, je voulais pas regarder ta copine. Mon ref. Non, mais là, vraiment, c'est le moment fun de la vidéo, tu vois. C'est le moment détente. Avant que ça repasse, je pense, sur du sale. Ça va, ça m'a pas fait peur du tout, ça, en vrai de vrai. Je pense que pas non plus beaucoup d'entre vous. Et on a clairement la main de tout à l'heure, là, qui me dégoûte. Ça, c'est la main, genre, s'il y a des bombes nucléaires qui tombent et que la Terre, elle est toute pleine de nucléaire, ce sera ça qu'il y aura sur la Terre. Genre, il y aura des mains avec des yeux. Je rigole, évidemment, mais vous avez capté le bail. Ok. On est en pleine... En plein endroit où il y a plein de neige. Il y a une sorte de monstre qui vient de passer. Oh, ce monstre est terrifiant. Waouh. J'en ai l'impression d'être en Australie. Ça, littéralement, en Australie, ça peut exister, hein. Des monstres comme ça, il y a tellement de trucs chelous en Australie. Je rigole, évidemment, mais il y a plein d'insectes de fous en Australie. Là, littéralement, ça pourrait exister, ce genre de bail, hein. Ok. C'est une araignée, ça? Une araignée géante? Là, on est en Australie. Clairement, on est en Australie. C'est terminé. Oh, j'aime pas... Que va-t-il se passer? Frérot, tu viens de le voir. Oh mon dieu, ils m'ont eu encore. Ok, ça c'est les titans de... Attaque des titans. Oh là, la télé vient de s'éteindre. Il regarde une série. Oh, il est là. Oh, c'était tellement stylé. J'ai trop kiffé, c'était incroyable. On est toujours sur les monstres qui me font pas trop peur. Ok, on est désormais sous la douche. Je sors de... Ma douche, oh là là, comment c'est horrible. Imaginez, vous sortez de votre douche, la porte elle s'ouvre comme ça. What the hell? Genre vraiment, c'était une grenouille, mais une grenouille comme ça, elle me fait pas plaisir, tu vois. Je vois une petite grenouille comme ça, ça me fait plaisir. Une grenouille comme ça, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui est... Oh, c'est Longhorse. Bon, en vrai, on sait que Longhorse, il est gentil. Donc en vrai ça va, c'est pas si flippant que ça. Terrifiant, terrifiant. Terrifiant, tout ce qui est avec de l'eau est... Envoyez-moi sur TikTok, @diabolocorp, c'est mon compte TikTok. Vous m'envoyez tout ce genre de vidéos, je vais péter un câble. Oh là là là, ma phobie, ma phobie. Oh mon dieu, mais regarde-moi cet œil géant. Waouh. Oh, ma phobie, ça me met tellement dans le mal, les gars. Oh, c'est tellement stylé, ça. Mais oh my god. Je suis choqué. C'est incroyable. C'est la vidéo littéralement la plus stylée qu'on ait vue depuis le départ. Je vous le dis. C'est incroyable. Ok, on va en avoir plusieurs des comme ça en plus. C'est incroyable, je kiffe beaucoup trop. C'est trop stylé. C'est tellement stylé. Mais oui, n'hésitez pas à me rejoindre, @diabolocorp. D'ailleurs, ce soir, est-ce que vous voulez qu'on se mette des petites vidéos comme ça? Vous allez me dire, où est-ce qu'on peut se mettre des petites vidéos comme ça? À 21h sur Twitch, je serai en live, c'est en description. Donc voilà, à 21h, si tu penses, tu retournes sur cette vidéo, tu cliques en description, tu vas voir sur Twitch. Et tu verras, je serai en live. Du coup, n'hésite pas à venir me voir. Donc voilà, let's go. Ça, en vrai, c'est pas très effrayant, en vrai. C'est tellement... Ok, lui on l'a déjà vu tout à l'heure, mais il était pas au même endroit. Là il est dans l'eau en fait, avec un porte-conteneur. C'est assez effrayant. Ok, on est de nouveau avec Sirenhead. Sirenhead toujours aussi effrayant, hein. On entend des tirs de fusil. Il est vraiment géant là, le Sirenhead, hein. Alors ça vraiment c'est le plus terrifiant, hein. Enfin la tête Freddy's avec Freddy.
Parce que eux, les animatroniques, c'est des fous. Oh non. Oh là là, je suis pas bien avec ce genre de vidéo. What the... Oh là 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 là. Et d'ailleurs, à tout moment dans la vidéo, il faut que je vous montre la vidéo qui m'a le plus terrifié de toute ma vie. Je vais la mettre dans très peu de temps. Vraiment, je vais vous mettre la vidéo qui m'a le plus terrifié de toute ma vie sur TikTok. Genre vraiment, j'étais terrifié. J'espère que je vais la retrouver, mais normalement oui. Nurpo. Alors lui, c'est un malade, il va nous foncer dessus. Tourne pas le regard, mon ref, tourne pas le regard. Il est plus là. Littéralement l'une des vidéos les plus stylées de TikTok, celle-ci. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous l'avez vue, mais c'est très effrayant. On a Sérénette quand même beaucoup de fois là. Sérénette, on le connaît, on l'a déjà vu des dizaines et dizaines de fois. Je pense que les gens, vous êtes là, ils vous arrivent à regarder encore. Mais dans pas longtemps, je vais montrer la vidéo la plus terrifiante. Vraiment ma vidéo la plus terrifiante. Alors quand le ciel est comme ça, je trouve ça vraiment trop stylé en fait. Le ciel est tellement sombre, tellement effrayant. J'aime trop ça. Eh, imaginez, ça vous arrive une fois sur la route, vous faites quoi? Oh non. En fait, vous avez pas trop le temps de réfléchir à ce que vous allez faire parce que vous allez clairement mourir en fait. Nurpo encore? Nurpo, s'il te plaît, casse-toi, frérot. Pourquoi tu détournes le regard de Nurpo, mon ref? Fais pas ça! Let's go. What? Ok, je ne connais pas ce monstre, mais il est très stylé. Il marche vers nous ou c'est. Non? C'est un gong? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je suis assez en mode, what, c'est quoi ce délire? C'est un gong littéralement qui marche vers nous. Le revoilà! Alors il est très stylé, mais c'est pas si flippant que ça en vrai de vrai. Il est pas si effrayant que ça en vrai. Hein. Mais il est très stylé. Il est vraiment stylé. En vrai, c'est vrai qu'il a de la gueule quand même. Il est vraiment stylé. Moi j'aimerais trop voir des vidéos dans le ciel là. Ok, alors littéralement ça me terrifie. Ok, on est de nouveau dans l'océan. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais mon gars, mais... Regarde sous l'eau, s'il te plaît, regarde sous l'eau. Oh, c'est ma phobie. Je m'imagine, en fait, dans l'eau et voir le truc plonger. Oh, je déteste ça. Quoi? Ok, ce monstre-là, en fait, est connu. Ok, ce monstre-là est connu. Ok. Assez fun, ce TikTok. Des petites grenouilles. Je suis mort, c'est quoi ce délire? Des petites grenouilles? Attends, elle a une clope dans la main? What? Ouais, attends, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Ok, la grenouille. Vas-y, je suis gentil. What? What? Ok. Ok, ça, je sens que ça va pas me plaire du tout. Bon, je veux bien avoir peur, mais là, bon. Ok. Une petite fille. Très effrayant. Oh, la petite fille, elle... Ah là 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 là, la petite fille, je l'aime pas du tout. Elle est très très flippante, la petite fille. Ok, serpent. Ça... Oh là là, l'araignée est très grosse aussi. Quoi? Oh là là. Est-ce que vous avez peur des géants un peu comme ça? Moi j'ai pas trop peur parce que je me dis que ça pourrait jamais arriver. Ok, il y a un géant. What? Prends ta voiture, mon ref. Fuis. Est-ce que c'est méchant ça? Je suppose, vu la couleur de ses yeux. Waouh, c'est quoi tout ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore là à ce moment-là de la vidéo? Est-ce que vous êtes encore avec moi? J'espère, parce que j'ai pas tardé à vous montrer le TikTok le plus effrayant, celui que je trouve le plus flippant. Il m'avait vraiment terrifié, je vous jure. Je l'ai envoyé carrément à Invisible Man et lui aussi il a été terrifié par ce TikTok. Ok, ce monstre était horrible aussi. Hein. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh. Oh, c'est incroyable. Ok, ça c'était vraiment stylé. Allume s'il te plaît. Eh mais je vais aller me coucher. Je vais faire des cauchemars toute la nuit. Littéralement en fait. Ça va être horrible. Oh la vache. Ok. La petite poupée là, elle est très flippante. Il y a un trou, il le lance. Ouah, mais c'est quoi la profondeur?
Ok. Comment il s'appelle déjà ce monstre? J'ai oublié son nom. Comment c'est qu'il se déplace? C'est pas normal ça. Ouais, je vous ai vu en haut à gauche. Oh. Ok les gars, j'ai officiellement la vidéo qui m'a fait le plus flipper de internet. Genre vraiment je l'ai trouvée terrifiante. Avec une seconde vidéo que je vais vous montrer juste après. Genre littéralement ces deux vidéos elles m'ont mis mais tellement dans le mal. Je vous jure c'est horrible. Alors peut-être que vous ça va pas du tout vous mettre dans le mal. On verra, en tout cas c'est parti. Regardez, il se baigne. En fait il est sur sa petite planche. Et regardez ce qu'il y a en dessous lui. Regardez-moi ça, des énormes méduses. Et cette vidéo aussi m'a littéralement terrifié. Regardez-moi ça. Regardez cette créature chelou, les gars, qui peut y avoir dans les océans. Littéralement, c'est des créatures qui peuvent exister dans le fond des océans, en fait. C'est ça la dinguerie. C'est que littéralement, ça peut exister. Regardez-moi ça, c'est terrifiant. C'est chelou, en vrai. C'est stylé, en même temps, c'est chelou. En fait, ça me passionne comme ça me terrifie. C'est ça le truc, en gros. C'est ça vraiment le truc. C'est horrible. C'est horrible, je vous le dis. Ça me terrifie. Bref, il reste littéralement 1 minute 36 de vidéo. Ayez le courage, s'il vous plaît, de rester avec moi. Ça me ferait super plaisir. Ok. Ok, c'est très flippant. Ça me fait flipper, hein. Ces monstres sont terrifiants. Ces monstres sont littéralement terrifiants, je vous le dis. Ils sont horribles. Ils ont tous commencé à me regarder. Et vraiment, dans cette vidéo, on va pouvoir faire des compilations de ma tête, ça va être... C'est... Oh là 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 là. Et je vous dis, on me met dans ce tunnel-là avec des monstres marins au-dessus de moi. Mais je vous dis comment je suis pas bien. Genre, vraiment, ce serait insane. Je pense que vous me mettez littéralement en PLS si vous me mettez là. Oh, on voit même pas si ça pète ou pas. Oh là là, c'est horrible. Ok. Oh mais pourquoi je regarde cette dernière minute 36 en fait? C'est la plus terrifiante de toutes. What? C'est Woody? Mais what? Oh là 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 là, c'est tellement horrible. C'est tellement horrible les vidéos dans l'océan. Vous êtes en train de me mettre en PLS à me faire regarder ça, hein. Pour la toute fois là. Oh, pourquoi je dis en fait c'est le plus terrifiant? À chaque fois il y a encore plus terrifiant. Là on arrive vraiment sur le pic de la vidéo. Si vous êtes vraiment là, si vous êtes là encore à l'heure actuelle, si vous êtes vraiment ultra courageux, genre vraiment je vous le dis, hein, vous êtes... Et les gars, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un petit commentaire, hashtag team les vrais, tous ceux qui sont restés avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. C'était incroyable. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ce soir 21h en live sur ma chaîne Twitch. En description, vous inquiétez pas. Voilà, s'il est 21h, n'hésitez pas à cliquer sur ma chaîne Twitch. Et puis d'ici là, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mon TikTok, en base DiaboloCorp. Et puis voilà, allez, bye tout le monde, le petit abonnement, la petite cloche. Voilà, bye tout le monde les potos, je vous aime et à très vite. We'll be right back.